Ok, je pense que c'est bon. Ok, d'accord. Donc, encore une fois, bonsoir à tous, bienvenue à ce premier débat. Et je pense qu'on va plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Monsieur Serge Kofi, vous avez toute la place et toute la parole. Ok, je tiens à vous remercier, Monsieur Nguessan, que je puisse commencer par vous dire le plaisir délicat que j'éprouve en participant à ce débat, qui est un exercice intellectuel noble, généreux et gratifiant. Honneur et force à vous, cher Président, et aux membres de votre bureau pour cette initiative fort constructive. Alors, le patriotisme de l'Africain de nos jours, panafricanisme ou populisme, c'est ce qu'on nous suggérait être le thème de ce débat. Et notre parti pris intellectuel dans ce débat consistera à défendre l'existence d'un panafricanisme véritable, loin des ambitions, des excès du populisme. Pour ce faire, nous commencerons tout d'abord par éclairer le sens des concepts patriotisme et panafricanisme. Ensuite, nous évoquerons le but du panafricanisme et nous établirons enfin que le panafricanisme, dans le contexte actuel et dans son expression actuelle, n'a aucun élan populiste. Alors, que faut-il entendre par patriotisme? Le patriotisme est un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie, nous voulons dire. Sentiment qui en renforce l'unité sur la base de valeurs communes. Sous ce rapport, le patriotisme conduit tout naturellement à éprouver de l'amour, du respect et de la fierté pour sa patrie. Le patriotisme, que cela soit clair, n'est pas une idéologie. Le patriotisme est plutôt un sentiment humain d'affection, de reconnaissance pour l'histoire, la culture, la langue, les conditions matérielles offertes par le pays où nous sommes nés. Cela dit que pourvu que nous ayons une texture de reconnaissance, la reconnaissance, nous le savons, c'est une valeur fondamentale de notre humanité. La reconnaissance, disons-le clairement, est l'une des premières grandeurs de l'homme, pourvu que nous en ayons conscience, disons-le tout naturellement, le patriotisme est notre horizon naturel. Donc, un homme dénué, nous pensons qu'un homme dénué de patrie est privé de racines, de culture, de transmission et de descendance. Le patriotisme est lié à la notion même de liberté, car les libres sont des hommes de culture. Alors, de là, on peut s'interroger quel rapport le patriotisme peut bien avoir avec le panafricanisme. Pour répondre à cette question, il faut d'abord chercher à mieux faire connaissance avec même le concept de panafricanisme. Qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme n'est pas, et nous le savons bien, un concept univoque, loin de là. C'est un concept polysémique. Le panafricanisme a plusieurs définitions et il y a une littérature, la littérature abondante dont nous disposons à ce jour apporte plusieurs définitions, floraison même, je dirais, de définition du panafricanisme. Mais au cœur de ce foisonnement de définitions que l'on peut avoir du panafricanisme, la définition qui nous semble la plus appropriée, la plus cohérente, c'est celle qui appréhende le panafricanisme comme étant à la fois une vision sociale, économique et politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et ceux de la diaspora en une communauté africaine mondiale. Le panafricanisme entretient en effet
un rapport très étroit, je dirais même très intime, avec le patriotisme. Car à l'instar du patriotisme, le panafricanisme est l'attachement à un même territoire, à un modèle civilisationnel, à une culture, à une histoire commune. Sous ce rapport, le panafricanisme apparaît comme la projection ou la manifestation du patriotisme à l'échelle du continent. À ce jour, nous avons deux grands filons de vision ou d'interprétation du panafricanisme. Nous avons d'une part le panafricanisme des élites ou des politiques et d'autre part le panafricanisme des peuples. Le panafricanisme des élites est pour nous un échec et ne mérite même pas que nous nous y attardions. C'est un échec pour la simple bonne raison que nos dirigeants n'ont plus le courage des mots. Nos dirigeants n'ont plus le courage des idées. Nous avons des dirigeants, avec des exceptions glorieuses que j'aurai beaucoup de mal à énumérer, mais je ne doute pas qu'elles existent, qui n'ont plus le courage de nommer. Et nous savons par essence que mal nommer, c'est accroître le désordre dans le monde. Le deuxième filon du panafricanisme, celui-là que nous approuvons, parce que tout simplement, répondant aux aspirations les plus profondes du peuple, c'est ce panafricanisme qui est prôné par la société civile. Ce panafricanisme-là est révolutionnaire. Il transcende les clivages, la fragmentation, la balkanisation, le partage fantaisiste et injuste du continent entrepris par les puissances coloniales lors de la conférence de Berlin. Ce panafricanisme, disons-le net, est pacifique, solidaire, fédérateur et volontariste. Et ce panafricanisme a pour but, a pour objectif la réhabilitation des civilisations africaines, la libération de l'Afrique du joug de la domination étrangère. Ce panafricanisme vise l'unité et le développement politique et économique et social du continent. Ce panafricanisme, je viens vous dire, ne s'oppose aucunement à la mondialisation. Ce panafricanisme ne s'oppose aucunement à l'universalisme. Ce panafricanisme ne s'oppose aucunement au multiculturalisme. Alors, ce panafricanisme-là n'entretient aucun lien, aucun rapport avec le populisme. Je ne vous dirai pas que le populisme est une stratégie de conquête du pouvoir, ce qui n'est pas la vocation du panafricanisme. Je ne vous dirai pas que le populisme s'oppose à l'universalisme, au multiculturalisme, à la mondialisation. Je ne vous dirai pas que le populisme, c'est le repli communautaire ou identitaire. Je ne vous dirai pas que le populisme, c'est le repli sur un modèle fantasmé. Je ne vous dirai pas que le populisme, c'est le triomphe de la politique ethno-identitaire qui met en avant la peur de la migration, de la diversité raciale, du pluralisme religieux, la peur des frontières contrôlées. Alors, le populisme, disons-le clairement, construit des murs et le panafricanisme, lui, construit des ponts. Ce n'est pas la même chose. Le panafricanisme milite en faveur d'une meilleure éthique relationnelle, d'un changement de posture. Dire qu'il existe une civilisation africaine et que cette civilisation a fortement influencé et enrichi les autres civilisations, ce n'est pas du populisme. Dire que nous sommes un même peuple et que nous devons nous unir et envisager notre destin dans un projet commun, ce n'est pas du populisme. Dire que nous avons une Afrique forte de sa jeunesse, riche de son histoire et de sa diversité,
et que cette Afrique n'a pas à être complexée, c'est de ne pas faire le jeu du populisme. Le populisme, ce concept barbare, inculte, est la stratégie toute trouvée de certains nostalgiques de l'ère coloniale pour discréditer ceux qui posent les vraies questions, les vraies revendications, les vrais problèmes du continent. Pour éteindre ou discréditer ces leaders, hier, on utilisait des concepts tels que le communisme ou la connivence avec le communisme ou la connivence avec le communisme qu'on utilisait. Et c'est d'ailleurs ces concepts qui ont servi à justifier l'assassinat ou l'éviction du pouvoir de certains leaders panafricanistes. Que cela soit bien clair, le panafricanisme dans sa version actuelle est tel que prôné par certains activistes, tel que prôné et tel que défendu par le peuple, est loin des ambitions outrancières et démesurées du populisme. L'Afrique est un continent qui est ouvert, un continent qui accueille, un continent qui est loin des ambitions et des préoccupations du populisme. Donc que cela soit clair pour chacun, et tel était notre, et tel est notre point de vue, et c'est ce point de vue-là que nous avons voulu vous exposer pendant ce débat, et nous sommes disposés pour la suite du débat à répondre à toutes sortes de préoccupations ou des questions que notre intervention pourrait soulever. Donc, je tiens à vous remercier pour cette attention. J'en ai fini. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jérôme. Non, Monsieur Serge. Ok, autant pour moi. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Donc, nous allons laisser le temps maintenant à Monsieur Jérôme Tiffini de nous donner la réplique comme on pourrait le dire. Si vous pouvez aussi activer votre caméra pendant votre intervention, ça serait plus intéressant. Vous m'entendez? Oui, alors, on s'entend. Donc, je suis vraiment honoré de prendre part à cet échange avec mon frère Serge Kofi sur le thème du panafricanisme ou le populisme. Merci également au bureau et aux organisateurs. Merci également aux participants de prendre part à cet échange que j'espère amical et convivial. D'abord, moi, je vais beaucoup m'attarder sur les thèmes définitionnels, les acteurs et les moyens avec ces expressions-là. D'abord, je vais définir le panafricanisme. Le panafricanisme, contrairement à ce que mon frère disait, pour moi, c'est une idéologie. C'est cette idéologie-là qui fait la promotion de l'autodétermination du continent africain et de l'Africain. Souvent même, ils disent qu'ils sont solidaires de la cause noire partout dans le monde, à travers le monde. Là n'est pas le problème. Moi, mon problème avec cette définition, c'est ces personnes plutôt, c'est la méthode et les moyens utilisés dans cette quête d'autodétermination, en fait. Ce mot va revenir beaucoup, d'autodétermination. Après analyse, pas seulement moi, hein, avec des personnes qui sont d'ailleurs même présentes ici, qui sont d'ailleurs très objectifs, que j'écoute beaucoup, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est ceux qui se disent panafricains, en réalité, ils ont les mêmes procédés que le populisme. Le populisme, je m'explique. Bon, plutôt, j'explique d'abord le populisme pour me faire comprendre. Elle est aussi une idéologie qui vise à opposer le peuple, du moins cette franche partie du peuple qui a le sentiment d'être exclue par une élite politique, économique, etc. Vous verrez souvent, bon, le plus populaire de ces populistes, Trump, il dit qu'il est en train de lutter contre l'establishment, ces expressions reviennent beaucoup. Donc, comme je le disais, je vais beaucoup m'attarder sur les moyens qui me font dire que ceux qui s'octroient le titre, ou même qui prétendent être panafricains, en réalité, ce n'est pas des panafricains, c'est plutôt des populistes. Les moyens qu'ils utilisent.
Bon, pour un premier moyen, c'est des adeptes des théories complotistes à travers la désinformation. Pour eux, tout ce qui vient de l'adversaire, du moins que c'est une personne qu'on n'aime pas, cette information est vraie pour eux. La désinformation, l'intox, c'est des adeptes de ces canaux-là, donc, qui sont en réalité un moyen commun aux populistes. Ça, c'est d'abord un premier point. Le second, l'incohérence. C'est des gens qui sont très incohérents, que je trouve très incohérents. C'est panafricain. Vous verrez sûrement en Afrique, certains panafricains approuvaient un coup d'État avec pour justification, ça n'a pas fait de mort, mais ça n'a pas été soutenu par la communauté internationale. Et vous verrez d'un autre côté, en train de taper sur un autre qui a fait son coup d'État, où la croyance populaire nous dit que ce gars a été soutenu par la communauté internationale. Vous verrez aussi que ceux qui se disent panafricains, ils ont aussi cette incohérence au niveau de nombre de mandats. Vous verrez en train de taper sur un autre qui a son 50e mandat. Non, à son troisième mandat. Non, il n'a pas droit à un troisième mandat. Non, 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 c'est pas possible. Et au même moment, en train d'applaudir un autre qui a son 50e mandat, sous prétexte que non, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de performance et de résultats. Donc, cette incohérence-là, de ces gens-là, nous amène, pas forcément moi, à dire que en réalité, ce n'est pas des panafricains, ils ont plutôt le même procédé que les populistes. Encore un autre point qui est non des moindres, cette vision simpliste des problèmes de l'Afrique. J'ai l'impression que à la limite, c'est des anarchiens en réalité. Bon, il y a une petite anecdote, j'espère ne pas être trop long. Excusez-moi. Cette vision simpliste des problèmes. Il y a une anecdote au niveau du franc CFA. J'ai la chance d'être économiste. Il y a une vidéo qui circulait ici, qui est arrivée au même sur notre groupe des étudiants. Et il y avait une dame. Après, j'étais scandalisé de sa fonction, de son titre, qui est professeur d'université et qui est en train de proposer des solutions au niveau du franc CFA. Qui, même un élève de première année, ne dirait pas de telles inepties, au fait. En fait, ils ont tellement cette vision simpliste. Et je les accuse beaucoup pour cela, d'avoir réduit le débat à ces options de toi, tu n'es pas panafricain, toi, tu es à la solde de l'Occident. Je pourrais revenir dessus avec un peu plus de trucs. Il y a un autre point, le sujet que j'ai l'impression qui fait unanime, qui fait l'unanimité auprès de ces panafricains, c'est le rejet du colon, en fait. Le rejet du colon. Là même, je ne parlerai même pas de l'Afrique du Nord. Ils sont à un autre level. Pas l'Afrique lusophone, uniquement l'Afrique subsaharienne et l'Afrique francophone. Le seul sujet qui fait l'unanimité avec eux, c'est le rejet de l'ex-colon. Tout le reste, les questions d'intégration, d'immigration, les gars ne parlent même pas de ils n'ont pas la même politique au fait. Donc, dire qu'ils sont panafricains, c'est un peu abusé, au fait. C'est pas honnête, c'est le mot, au fait. C'est pas honnête de le dire. Il y a plutôt du populisme dedans. Et vous verrez, ces gens qui ne comprennent pas en réalité, ils sont dans l'utopie, au fait. Ils ne savent pas dans quel monde ils vivent. Ils ont l'impression que tout est facile. Ou bien plutôt, c'est les leaders qui ne disent pas la vérité à ces personnes-là. Ceux qui se prétendent être leaders de ces panafricains, ils veulent s'inviter à une table où ils n'ont même pas le droit d'être. Mais quand tu prends un exemple simple au niveau des familles, vous verrez que celui qui n'est pas socialement stable ou financièrement stable, il a moins droit à la parole. Mais au niveau international, l'Afrique veut déroger à cette règle, veut être respectée, veut avoir cette place-là autour de cette table-là où, moi, à mon avis, hein, elle ne mérite pas en réalité. Elle ne mérite pas. Et à ces adeptes-là, que le problème en réalité ne vient pas du colon, mais de l'ex-colon. Ça vient de nous. Il faut travailler
sur notre gouvernance, mériter cette place pour se faire respecter comme d'autres personnes. Ils sont là à les faire rêver. À les faire rêver. Ah, vous savez pourquoi nous sommes pauvres? C'est la faute des autres. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à obtenir ça? C'est la faute des autres. Et on a l'impression même qu'ils se surestiment ou bien ils surestiment la richesse qu'ils ont. Où les gens sont à la nanotechnologie, la 5G, bientôt la 6G. Ils sont là encore avec ces débats réducteurs-là. Donc, pour ne pas faire trop long, je vois le temps de développer ces points-là avec vous, s'il y a d'éventuelles questions. Donc, bon, c'était un peu ça. Merci bien. OK. Merci beaucoup, M. Jérôme. Petite limite. J'espère que je prononce bien. OK. Merci pour votre intervention. Et je pense que maintenant, on va passer aux questions s'il y a des personnes qui ont relevé des questions qu'elles aimeraient bien poser à nos différents intervenants. Vous avez la parole. Salut. Oui. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Ma caméra. OK. Je suis mon ex-soco, marin au niveau de la pêche. Je suis nouveau en Turquie ici. Actuellement, je suis à Pomia, Japon. Okay. Je vais aller un peu dans la même veine que le doyen qui vient de faire son intervention. Bon, moi, pour moi, la définition du panafricanisme, c'est quoi d'abord? C'est à la fois une vision sociale, économique et culturelle qui vise à rassembler les Africains depuis la diaspora jusqu'à l'Afrique elle-même. Et ma question, c'est quoi? De nos jours, actuellement où on parle, le panafricanisme a une autre vision qui n'est pas la vision de la base. Donc vraiment, moi, je voulais demander aux conférenciers quelle est la vraie vision du panafricanisme actuellement. Vraiment, ma question, c'était un peu ça. OK, merci pour votre question. Je pense que la question est orientée vers M. Serge Kofi, c'est bien ça? Exactement. Monsieur Serge Kofi. Allô, Monsieur Serge Kofi, vous êtes là? Je pense que Monsieur Serge Kofi a un problème de connexion. Vous êtes là? Apparemment, quoi? Donc, on va prendre d'autres questions s'il y en a. Le temps pour lui de se préparer à répondre. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Monsieur Sissoko, s'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir, qui veut poser une question au conférencier? Allô? Oui, allô, monsieur Serge Kofi. OK. Relativement à la question qui a été posée par le frère, okay. Nous avons dit tout à l'heure, dans notre intervention du panafricanisme à l'heure actuelle qui se dessine, il y a le panafricanisme des peuples et ce panafricanisme-là est celui-là qui est porté haut et fort par les sociétés civiles, la société civile et particulièrement par les activistes. Et nous avons dit que ce panafricanisme-là se pose comme une alternative crédible au panafricanisme qui est défendu et qui est porté en fait par les élites. Parce que l'émergence en fait de cette deuxième forme du panafricanisme est la résultante en quelque sorte de la déception et du manque d'ambition, du manque de volonté des élites politiques relativement à cette vision globale de l'Afrique qui est l'aspiration la plus profonde des peuples. Parce que lorsqu'on nous dit que le panafricanisme se prête au jeu du populisme, ce qui n'est pas notre avis, nous pensons que le problème, le véritable problème aujourd'hui de l'Afrique et même de ce monde, c'est de ne pas avoir le courage de dire ce qui est. Et c'est très souvent se laisser emballer en fait
par certains discours ou certains clichés qui nous sont vendus en fait par les Occidentaux. On parle de développement, mais le développement passe d'abord par, je dirais, ça y est, le développement a pour socle en fait la culture, la civilisation, parce que on ne peut se développer que lorsqu'on se connaît soi-même. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est confronté à ce qu'on appelle le phénomène de la mondialisation. Et cette mondialisation, elle n'est pas seulement économique, elle est culturelle, elle est civilisationnelle. Et pour aller à la rencontre des autres civilisations, des autres cultures, il faut savoir ce qu'on est et ce qu'on vaut. Et aujourd'hui, l'Afrique, du fait de tout le martyre que l'Afrique a subi depuis l'esclavage, la colonisation et tout ce que nous savons, l'Afrique a perdu, en quelque sorte, de son histoire parce qu'on nous a vendu certains clichés, au point même que l'Africain, aujourd'hui, ne sait pas ce qu'il vaut. L'Africain ne sait pas ce qu'il vaut. L'histoire de l'Afrique a été tronquée. Mais pour pouvoir faire face à ces défis qui se posent à l'Afrique, il faut d'abord qu'il y ait, que nous soyons en phase avec notre histoire, avec nos civilisations, et qu'il y ait de la volonté des uns, de la part des uns et des autres, de s'unir, de former ce qu'on appelle une synergie d'action pour pouvoir entrevoir un développement dans le même sens. Voilà, c'est notre discours qui est là. Et aujourd'hui, les politiciens, les élites ont échoué sur ce terrain-là parce que plutôt que d'agir dans le sens de la volonté des peuples, ils servent plutôt les intérêts des puissances étrangères. Et le dire, ce n'est pas du populisme. Et pour vous, mesdemoiselles, vous qui nous suivez, mesdemoiselles, vous qui nous suivez, songez un instant à un amour qui n'est pas formulé. Ce n'est pas un amour. Ce n'est pas un amour. Ce n'est pas un amour. Parce que quand on aime, on est capable d'exprimer. C'est-à-dire, quand on a des idées, il faut être capable de les porter haut. Quand on a des convictions, on doit être capable de les signifier. Parce que nous croyons que l'expression, c'est la condition ultime même de l'idée, de la pensée. Et aujourd'hui, le panafricanisme qui est prôné ou bien qui est défendu, qui est promu, n'a rien de populiste parce que ce panafricanisme-là n'exclut pas. Mais ce panafricanisme rassemble et crée, je dirais, c'est-à-dire crée de la synergie autour de valeurs que nous avons en commun. Ce panafricanisme cherche à restituer l'histoire véritable de l'Afrique. Ce panafricanisme cherche à dire aux Africains, vous avez de la valeur, vous êtes capable, vous pouvez faire mieux que ce qu'on vous a dit. Vous pouvez relever certains défis que certaines personnes vous ont dit que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est là, c'est le message que le panafricanisme prêche. C'est le message du panafricanisme. Et le dit, ce n'est pas faux. C'est la réalité. Et c'est ce même message que Cheikh Anta Diop, que Théophile Obenga, que Joseph Kizerbo, ces grands savants que l'Afrique a connus, c'est ce message-là qu'ils n'ont cessé de prêcher. C'est ce même message qu'ils n'ont cessé de véhiculer. Et aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui a décidé de faire de ce combat-là. Oh. Allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous me recevez également? Oui, 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 oui. OK. Donc, c'est ce que nous avons voulu... Voilà, c'est ce que nous avons voulu démontrer. Aujourd'hui, il y a une alternative crédible et cette alternative, c'est celle-là qui est portée en fait par les sociétés civiles. C'est celle-là qui est portée en fait par le peuple. Le peuple a décidé de prendre son destin en main et de porter sa voix, de faire entendre sa voix, de dire aux dirigeants, aux élites, que sa voix compte
et que ce qui doit prédominer, ce n'est pas leurs intérêts, mais c'est l'intérêt du continent. Nous vous remercions. OK. Merci, merci, Monsieur Serge Kofi. Je pense que l'intervenant a eu à développer un peu, à expliquer un peu l'orientation même du panafricanisme actuel. Donc, je ne sais pas si M. Jérôme a une question directe qu'il aimerait poser à M. Serge Kofi. Non, pas une question directe, mais bon, plutôt une petite précision. OK. Bon, j'ai l'impression que M. Serge, en train de l'expliquer plutôt ce qui devait être le panafricain. Or, moi, je suis en train d'expliquer qui est réellement ce panafricain aujourd'hui. Je ne sais pas si on se comprend. Qui l'est réellement maintenant? On a quelqu'un qui vit dans l'utopie en réalité, qui ne sait pas dans quel monde il vit. Il pense que tout à portée des mains, il restera là sur les réseaux sociaux à dénoncer. Récemment, j'étais sur des plateformes de trucs en ligne, même souvent sur le truc de la présidence française. Vous verrez qu'il y a certains Africains qui prennent d'assaut ces directs-là, en train d'insulter ce président. Quitte l'Afrique, tu es en train de nous piller, tu es en train de nous piller. Une fois même, c'était sur le truc du Fonds monétaire international. J'étais en train de suivre une conférence là-bas. Et il y avait certains Kenyans aussi qui étaient là. Tous les problèmes, c'était de ne pas prêter aux Kenyans, de ne pas prêter aux Kenyans. Oh, c'est pas... Il y a l'impression que ces leaders-là, ils n'ont pas tout expliqué à ces gens-là. Ils pensent qu'en étant là, en ne faisant rien... Ils vont les inviter à accorder ces respects-là qu'ils veulent tellement. Donc, après, nous, on s'est dit, j'ai remarqué que c'est du populisme, en fait. Parce qu'ils sont dans l'utopie. Ils sont dans l'utopie, ce combat qu'ils mènent. Okay. Ils sont plutôt focalisés sur l'étranger. Ils sont plutôt focalisés sur l'étranger, l'escolon. Or, le problème, en réalité, il vient même d'eux-mêmes, de l'Afrique, de l'Africain lui-même. Bon, nous, on pense que si tu finis de corriger ce qui vient en interne, à l'extérieur, évidemment qu'ils vont te respecter. Ça va de soi, en fait. C'est ce que nous, on pense, en fait. D'accord, d'accord. Merci, M. Jérôme. Si tel est le cas, comme vous le dites, ce panafricanisme est utopique. Quelles sont les véritables actions en tant qu'Africains que nous devons mener pour que ce soit vraiment une réalité? Comment? Vous m'avez entendu? La question, comment? Je disais, oui. Si tel est le cas que ce panafricanisme dont il parle, ce panafricanisme est utopique, quelles sont les actions réelles en tant que nous, Africains, quelles sont les actions que nous devons mener pour que ce panafricanisme puisse être vraiment une réalité en Afrique pour nous, quoi? Ah, ok. J'ai déjà même répondu à cette question. Je ne dis pas que c'est chaud. Je dis que ces gens-là vivent dans l'utopie en réalité. Bonjour à vous. Moi, il y a une question. Quoi. Pardon, on va aller plus loin, si vous me permettez. Ok, monsieur Mustapha Kanté, c'est bien ça? Effectivement, c'est Kanté. D'accord. Il va répondre rapidement à ma question et on vous prend. Ça marche. D'accord, donc, je disais que ces gens-là, dans leur quête d'autodétermination, ils sont dans l'utopie. J'aimerais plutôt qu'ils reviennent à un monde un peu plus dans le réel politique qui pose le problème et dans leur quête de taux de... Ça sera encore plus facile pour eux, quoi. D'accord. La corruption, le népotisme, tous ces facteurs-là. Ils ont ça en interne, ils ne règlent pas, mais ils ont tendance à rejeter la faute plutôt sur l'extérieur. L'extérieur est la base de leur malheur, tout. Bon, c'est un peu ça. D'accord. OK, merci beaucoup, M. Jérôme. On va prendre rapidement M. Mustapha Kanté, qui a une question. M. Mustapha, vous avez la parole. D'accord, merci encore. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. C'est un petit détail. Patriotisme de l'Africain de nos jours. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on reformule le sujet ou bien qu'on puisse définir les concepts. Parce que je ne comprends pas, en fait, la formulation. Patriotisme de l'Africain de nos jours. Le patriotisme qui est orienté sur l'amour de la patrie. Ça, c'est là-bas la base qui est là. Maintenant, on parle du panafricanisme. En quoi d'abord le lien se fait vis-à-vis, on va dire, du panafricanisme ou sinon du patriotisme, on passe au panafricanisme.
Ça, c'est d'abord ma première question. Et puis la deuxième question, en quoi le panafricanisme s'oppose au populisme? Parce que le populisme, c'est un discours qui est orienté vers les couches défavorisées de la population. Donc, est-ce que vous entendez populisme par populaire ou bien qu'est-ce que... Voilà, donc est-ce qu'on peut redéfinir les concepts pour qu'on puisse au moins savoir où on va ensemble, quoi, que le débat puisse être lancé. D'accord. C'était ça ma préoccupation. Merci. D'accord, merci bien. Je pense que vous n'avez pas été là depuis le départ, c'est pour ça que vous posez la question. Mais il n'y a pas de problème. On va demander aux deux intervenants de définir très rapidement les deux thèmes. Monsieur Serge Kofi, vous allez définir le panafricanisme et Monsieur Jérôme, le populisme. Très rapidement, en 2-3 minutes pour chacun, Monsieur Serge Kofi, vous pouvez commencer. OK, nous l'avons dit dès le départ, parce que la préoccupation posée en fait par le frère est tout à fait légitime. Parce que quand on regarde la notion de patriotisme, le patriotisme n'est exercé en fait que dans un ressort territorial limité, dans ses frontières. Voilà. Et quand on parle du panafricanisme, on sort carrément du ressort, d'un ressort territorial limité qu'on appelle pays pour s'étendre en fait sur tout un continent. Donc parfois, à première intention, cela peut créer un choc. Mais nous avons tout à l'heure, dans la définition et dans le rapport que nous avons établi entre patriotisme et panafricanisme, établi en fait que ces deux notions ne sont pas antagonistes, mais qu'il existe un lien utile entre ces deux. Nous avons défini le panafricanisme comme le patriotisme, du moins, comme un sentiment d'attachement. Un sentiment partagé d'appartenance à un pays, à une patrie. Et nous avons dit que ce sentiment-là, c'est-à-dire ce sentiment partagé d'appartenance à un pays, la patrie, c'est ce sentiment traduit ou bien invite à éprouver de l'amour, du respect et de la fierté pour le pays en question. Et de là, nous avons dit aussi que le patriotisme n'est pas une idéologie, mais c'est un sentiment humain d'affection, de reconnaissance pour l'histoire, la culture, la langue et les conditions matérielles offertes par le pays où nous sommes nés. Et nous avons dit que le panafricanisme, que cette définition que nous venons de donner du patriotisme a une relation très étroite avec le panafricanisme que nous avons défini comme étant à la fois une vision sociale, économique et politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et ceux de la diaspora en une communauté africaine mondiale. Le panafricanisme, à l'instar du patriotisme, est l'attachement à un même territoire, à un modèle civilisationnel, à une culture, à une histoire commune. Sous ce rapport, nous avons dit que le panafricanisme apparaît comme la projection ou la manifestation du patriotisme à l'échelle du continent. Telle est la définition et tel est le rapport que nous avons établi entre ces deux concepts. OK. Donc, merci bien, Monsieur Serge Kofi. À toute fin utile, il convient de rappeler que pour vos interventions, veuillez activer vos caméras, s'il vous plaît. Voilà, caméra, il y a un souci. Avec ma caméra. Malheureusement, ce n'est pas un problème. Monsieur Jérôme, pouvez-vous nous définir très rapidement le populisme? J'ai oublié d'activer aussi la caméra. Bien sûr. Okay, bien sûr. Si ça, votre caméra fonctionne, s'il vous plaît, ne vous gênez pas à tirer là. OK. Bon, si vous n'êtes pas aussi dans les conditions favorables pour activer la caméra, ce n'est pas un problème. Bon, on peut gérer. C'est intéressant qu'on puisse vous voir. On peut gérer. Donc, je disais, le populisme, c'est cette idéologie qui vise à opposer un peuple à une élite, bon, une communauté, à une élite économique ou politique. Nous, ce que nous déplorons, c'est que ceux qui se disent panafricains, dans leur panafricanisme, ils opposent des communautés, ce qui est contre-productif pour nous. Nous ne sommes pas contre le panafricanisme,
ne sont plutôt contre les moyens qu'ils utilisent dans cette quête d'autodétermination. C'est ce que nous déplorons et nous dénonçons, en fait. Les moyens, cette vision simpliste de nos problèmes, toujours rejeter la faute sur l'extérieur, c'est ce que nous déplorons, en fait. Donc, c'est opposer une partie de la population à une élite, ou bien on trouve que c'est contre-productif, quoi. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Il y a M. Mohamed Jabagaté qui a une question. Je vois que c'est sa main, pardon, qui prend en l'air depuis un moment. Donc, vous pouvez intervenir, M. Mohamed. Oui, je vois, on n'a pas encore vu le sujet. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le thème? Moi, c'est ce que je veux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que le patriote doit être panafricain ou bien est-ce qu'il doit être populiste? Voilà, ce que je veux. Où on va? Qu'est-ce que le sujet dit? Qu'est-ce que le thème dit? Et ils débattent sur quoi? Est-ce qu'il faut être panafricain ou est-ce qu'il faut être populiste? Est-ce que les deux s'opposent? Bon. Vous pouvez avancer parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à répondre à cette question-là. Mais je pense que si on veut aller plus loin, il faudrait déjà bien clarifier le sujet, quoi. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Allez, merci d'avoir répondu déjà. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, vous vouliez intervenir? Bon, je voulais un peu restructurer le programme pour quand et quand il disait qu'il ne comprenait pas trop. D'accord. Allez-y. Bon, moi, ce que je comprends du sujet est que le patriotisme, le panafricain, en réalité, est-ce que c'est du panafricanisme du fait ou bien c'est du populisme dans sa méthode, dans sa démarche? Est-ce que c'est du panafricanisme ou c'est du populisme? Cet amour pour l'Afrique qui veut exposer aux yeux du monde, c'est vraiment du panafricanisme ou du populisme? Moi, c'est ce que j'ai compris en réalité. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas du panafricanisme avec les méthodes, vu qu'ils utilisent les procédés du populisme, ce qui est contre-productif et intéressant, en fait. D'accord. Okay, merci. Je comptais vous voulez rebondir. Effectivement, bon, peut-être qu'on n'a pas la même définition du populisme. Bon, moi, je ne vois pas en quoi les deux s'opposeraient. Très franchement. Voilà. D'accord. Vous pouvez. Monsieur Kanté, ce qu'on va faire, on va vous garder sous la main. Répondre très rapidement à la question de Mohamed Jabagaté et on vous revient. D'accord? Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai suivi avec intérêt. Ça marche. J'ai suivi avec intérêt le débat. Déjà, c'est pas une question que je voudrais poser, mais c'est plus un commentaire. Pour revenir en fait sur ce que M. Mustapha Kanté disait tantôt, on ne peut pas être panafricaniste. En fait, pour être panafricaniste, il faut d'abord être populiste. Parce que quand il parle de populisme, il parle d'abord d'un amour propre à une nation ou à un territoire délimité. Et arriver au panafricanisme, tant qu'on n'aime pas, par exemple, son pays, tu ne peux pas dire que tu es panafricaniste sans forcément aimer ton pays. Ça, c'était la petite précision que je voudrais donner. Maintenant, c'est que la question. Vous vouliez dire poser, patriotisme, sinon, c'est ça? Je ne peux pas être panafricaniste, pas être patriote, c'est ça? Oui, je trouve que c'est pas cohérent. En fait. Maintenant, ce que je voudrais apporter par rapport au panafricanisme. Aujourd'hui, en fait, nous, Africains, on a tendance à rejeter tout ce qui vient de l'Europe. Et sous prétexte que nous sommes des panafricains. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse, en fait, à vouloir forcément rejeter tout ce qui vient de l'Europe, sachant que nous sommes dans une mondialisation. Et qui parle de mondialisation, parle de rapport entre l'Occident et l'Orient, ou même l'Afrique et tout. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément rejeter, sans forcément passer par les rapports de conciliation ou les rapports de... Comment on appelle? En tout cas, des rapports qui pourraient, en fait, avantager les différentes parties. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Mohamed Jabagaté. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur votre intervention tout à l'heure
On va prendre rapidement Monsieur Aboubaka, qui a une question. Monsieur Aboubaka, si vous êtes là, vous pouvez répondre. Bon, je vois Aboubaka. Je ne sais pas si c'est un nom complet ou bien si c'est un nom séparé. Si vous êtes là, vous avez toute la place. On vous écoute pour votre intervention. Non, je n'ai pas de question. J'avais levé la main pour vous, puisque vous m'aviez salué au début du programme. C'était juste pour vous répondre. OK, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. On vous salue aussi. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Monsieur Kanté, on revient à vous très rapidement. Si vous avez une autre question, vous pouvez la poser. En fait, déjà, je ne sais pas qui a déjà parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était qui déjà. Je n'ai pas le nom. Mais il pose un problème intéressant parce que le mouvement du panafricanisme est né hors de l'Afrique. C'est né hors de l'Afrique. C'était des Noirs qui étaient à l'étranger, qui ont pensé l'Afrique. Donc, c'était avec ce qu'ils avaient développé ailleurs qu'ils voulaient essayer de venir vers l'Afrique pour essayer d'impulser également le même développement. Donc, quelque part, ces alliances-là qu'il y a entre le Nord et le Sud, pour parler comme cela, c'est quelque chose qui peut renforcer. Aujourd'hui, si on dit par exemple que les Français vont quitter la Côte d'Ivoire ou le Mali, mais qui va venir? Les Russes vont venir, comme en Centrafrique. Donc, on ne peut pas penser que du moment où un colonisateur ou bien un étranger du Nord qui vient pour piller les ressources ici, veut partir, veut quitter l'Afrique, il y a quelqu'un d'autre qui va quitter le Nord pour venir chercher quelque chose d'une autre manière, en tout cas. Donc, quelque part, ici, est-ce qu'il ne faut pas renforcer les alliances? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de l'esprit africain limité à l'Afrique, alors que les ressources même peuvent venir de l'extérieur? Bon, c'était juste quelque chose à ajouter là-dessus. D'accord. Allô? Oui, allô? Monsieur Nguessan, je peux intervenir? D'accord, allez-y. Voilà, relativement à la préoccupation des deux derniers intervenants, je voudrais dire à toute fin utile, en fait, que le panafricanisme n'est pas contre la coopération. Le panafricanisme n'est pas un mouvement ou un concept qui invite les Africains à se replier sur eux-mêmes. Nous ne sommes pas sur notre planète. Nous ne pouvons pas, je dirais, faire le choix de vivre comme si nous étions, je dirais, sur une autre planète ou bien si on ne peut pas faire le choix, en fait, de vivre isolé. Nous sommes dans un monde qui nous impose les échanges, la coopération, le contact avec l'autre. Et le panafricanisme, dans son action, dans son expression, ne rejette pas l'autre. Fut-il, je dirais, le bourreaudien. Ce n'est pas la logique, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'expression du panafricanisme. Le panafricanisme demande tout simplement un changement de posture. C'est le changement de posture. Vous ne pouvez plus, à cette époque, venir vous présenter à nous et demander qu'il y ait une coopération sur les bases ou les règles qui ont régi, en fait, les rapports, il y a, par exemple, il y a 100 ans, 60 ans de cela. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Aujourd'hui, l'africanisme dit que les intérêts des Africains doivent être suffisamment pris en compte dans la coopération et dans les relations avec les autres puissances, avec les puissances d'hier. C'est le message du panafricanisme. Le panafricanisme n'invite pas les Africains, je dirais, à rejeter l'autre ou bien c'est pas à verser en fait dans le racisme ou je ne sais quoi d'autre ou bien dans la paresse. Ce n'est pas le message du panafricanisme. L'islam, c'est l'éveil des consciences et la volonté des Africains prendre leur destin en main et croire qu'ils ont les mêmes valeurs, la même intelligence et les capacités et qu'ils peuvent poser avec eux, discuter avec eux, égal à égal. C'est le message et c'est le vrai message du panafricanisme. Et il n'y a pas autre message à part celui-là. Merci. OK. Merci beaucoup, M. Serge Kofi, pour votre intervention. Je vois une autre main levée. On va très rapidement répondre à la prochaine question.
Mademoiselle Marie Yapi, je pense que c'est bien eux. Vous avez la parole. Oui, merci. Moi, j'aimerais intervenir plutôt sur l'intervention de M. Jérôme. Jérôme quelque chose. Bon, ce n'est pas une question, c'est plutôt un avis. Moi, je ne suis pas totalement d'accord quand M. Jérôme parle de panafricanisme en étant une utopie. Je ne suis pas totalement d'accord parce que nous voyons de nos jours des Africains qui s'étant fait une place au soleil. Je vais parler de ceux-là même, des privés qui sont un peu comme des élites qu'on voit, qui sont au devant de la scène et qui bataillent jour et nuit pour pouvoir, bien sûr, mettre l'Afrique au niveau où nous on veut. Je peux parler, par exemple, de Fatou Diomé, une écrivaine qui vit en France. C'est une grande écrivaine, tout le monde la connaît. Donc, elle, dans ses écrits, à chaque fois, elle parle de l'Afrique, elle parle de comment pouvoir se lever, comment pouvoir renaître de ses cendres, comment pouvoir oublier tout ce qui était, on va dire, tout ce qui était guerre et tout auparavant, pour pouvoir, bien sûr, accomplir cette vision-là de panafricanisme, pouvoir, bien sûr, être une communauté africaine mondiale. Du coup, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec M. Jérôme quand il dit que c'est une utopie, non. Il y a aussi Fatou Keïta, qui, elle aussi, dans ses écrits, le fait. Il y a certains privés, il y a certaines personnes qui organisent des débats, il y a certaines personnes qui organisent des conférences pour parler de ça. Donc, ce n'est pas une utopie. On peut plutôt dire que les gens essayent d'aller vers là. Les gens mettent tout de leur côté pour pouvoir atteindre ce but-là. Mais ce n'est pas une utopie. C'est tout. Je peux intervenir. Ok, ok. Monsieur Jérôme. Oui, Marie, merci pour cette ton intervention. C'est une très bonne intervention. Ça prouve que tu n'as pas compris la réalité. Donc, ça me donne l'occasion de m'expliquer. Ok, allez-y. Le panafricanisme, dans son essence, là, ce n'est pas une utopie. Je ne dis pas que c'est une utopie, le panafricanisme. Je dis plutôt les panafricains et la méthode qui est utilisée, c'est de l'utopie. Ils font, bon, pas tout le monde, hein. Celle que tu viens de citer, là, je la connais très bien. Et elle a félicité, d'ailleurs, elle fait partie de cette Afrique qui gagne. Je parle plutôt de, je ne sais pas si je peux citer des noms, qui prétendent être des panafricains, mais en réalité, ils sont dans l'utopie totale. Dans l'utopie totale, ils ne posent pas le vrai problème. C'est ce que je dénonce en réalité. Et ceux-là même, je les classe parmi les populistes. Sinon, je ne dis pas que le panafricanisme est une utopie. Je parle plutôt de la méthode qui est utilisée et de ceux qui sont au devant, nos leaders en réalité. Qui pensent qu'ils sont dans le monde le plus parfait. Donc, bon. D'accord. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous avez parlé tout à l'heure de certaines personnes que vous n'avez pas voulu citer, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actes, d'actions que ces personnes n'apposent que pour vous? Ce sont des actions qui n'ont pas vraiment de grande portée. Ce sont des actions utopique, si on pourrait le dire ainsi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Ok, pour être dans l'actualité, on peut faire référence récemment, on peut parler du Mali. Pendant que nous sommes en train de taper sur la France, on va manifester devant l'ambassade d'une autre puissance étrangère en réclamant « Oh, viens nous aider, viens nous aider ». Ces gens-là disent qu'ils sont panafricains. Ils vivent, on ne comprend pas en réalité. Quel panache. Vous verrez, ils ont confié plutôt les solutions que les gens proposent au niveau de cette réforme-là. Elle est plutôt populiste. Tout le monde veut en parler. C'est plutôt les moins sachants qui proposent des solutions. Donc, c'est ce que nous appelons un peu chose, cette vision simpliste des choses. C'est cette vision simpliste qui est plutôt du populisme. Vous verrez, quand je dis le panafricanisme, dans son essence, tisse des liens et entretient des liens. Mais quand tu vois le populisme, ça détruit des liens. Il y a certains qui se sont dit panafricains. En réalité, dans leur gestion du pouvoir, on a eu des divisions au niveau de leur peuple, même au niveau des peuples, de leurs voisins. Or, dans leur politique, ils se disaient panafricains.
comment est-ce que tout cela arrive en réalité? Donc, tous ces gens qui se disent panafricains, nous, on dit, ah, en réalité, ce n'est pas des panafricains. Notre vœu le plus ardent, c'est qu'on ait des panafricains. Mais pour le moment, on n'en a pas. Vous voyez, vous prenez un gars comme Kémy Séba, parce qu'il arrive à aligner deux phrases. Quelqu'un qui ne travaille même pas d'ailleurs, qui fait financer son, qui n'est même pas un exemple d'ailleurs, qui fait financer son ONG, qui se balade partout, et il dit les panafricains. Il passe tout son temps à critiquer sans proposer quelque chose. Donc, nous, on pense qu'il faut passer de la critique à la proposition. Vous verrez ces gens critiquer. La seule chose qu'ils peuvent proposer, c'est des fausses bonnes solutions en réalité. Donc, bon, nous, on déploie un peu cela. Je vais pas être un peu long. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mademoiselle Yapi, vous voulez rebondir? Oui, j'aimerais poser une question à la personne qui vient d'intervenir. Selon vous, quelles sont les véritables actions? Parce que vous avez dit que ces personnes-là ne prennent pas vraiment de solutions, ou alors ces solutions-là sont, on va dire, un peu voilées, c'est-à-dire que ces solutions-là se dirigent un peu vers le populisme qui, ici, ne nous arrange pas dans l'atteinte du panafricanisme. Donc, selon vous, quelles sont les actions réelles à mener en dehors de, sans toucher même les élites, sans toucher même ces personnes-là qui ont le pouvoir de décision sur nos vies, sur on va dire, toute l'Afrique? Selon vous, quelles sont les véritables actions à mener? Quelles sont les choses à faire pour pouvoir éveiller les consciences? OK. Première chose d'abord, lutter contre la corruption. Mais en fait, moi, excusez-moi, mais vous parlez de manière théorique, en fait. Quelles sont les actions de manière pratique? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Parce que lutter contre la corruption, c'est un peu une idée que vous énumérez, en fait. Mademoiselle Yapi, s'il vous plaît, je pense qu'il va vous répondre, il va développer. Je ne pense pas qu'il est plus pratique que lutter contre la corruption. C'est un fait endémique en Afrique. C'est un fait endémique. Donc, comment je dis, bon, lutter contre la corruption, c'est un fait. C'est pratique. On peut, avec une volonté, on peut l'éradiquer. Ça, c'est d'abord un. Et arrêter d'accuser l'autre. Le problème vient de nous. Le tribalisme, les rattrapages, tout ça, là, ça contribue à notre état, en fait. Or, c'est ce que nos leaders ne veulent pas admettre. Quand il y a l'impression que ce thème, ce mot panafricain, ça couvre un peu les complexes ou les incompétences à nous proposer des solutions. Nous, on veut que qu'on résout les problèmes internes. Ce panafricanisme qu'on veut tant ou bien qu'on veut, on veut se faire respecter tellement à l'extérieur, ça va venir de soi. C'est ce que nous, on veut. Lutter contre la corruption, le tribalisme, le civisme, ces gens de Tuka. Vous voyez un président qui se tape 40 ans au pouvoir, je vais faire référence à Diby, lui qui est décédé récemment, et il dit, vous savez pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas pu développer mon pays, c'est à cause du franc CFA. Bon, on peut croire à cela. Bon, on s'insurge contre ces gens-là, en fait, qui se disent panafricains. Or, en réalité, c'est pour couvrir leur incompétence, à nous proposer des solutions. Bon, bon, c'est un peu ça. D'accord. OK, merci, Jérôme. Miss Yapi, on va regarder sous la main pour rapidement notre intervenant, histoire de tourner la parole. D'accord? OK. D'accord, donc on reviendra vers vous tout à l'heure. Monsieur Amadou Tal, si vous êtes là, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, bonjour. Et moi, je voulais répondre à moi des réponses à celui qui vient de parler aussi. D'accord. Moi, je pense que on n'est pas là pour rendre des comptes à quelqu'un. C'est-à-dire, le monsieur Kémy Séba, tu peux ne pas l'aimer. Mais ses idéologies, moi, je pense que ses idéologies sont d'actualité sur le continent. Kémy Séba, il ne fout rien. Je ne sais pas si vous suivez les actions de Kémy Séba. Sinon, Kémy Séba, c'est quelqu'un qui travaille, il a des projets, il a des orphelinats, il a des activités qu'il organise au nom de la jeunesse. Il fait beaucoup. C'est-à-dire, personne n'est aujourd'hui là, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas appris quelque chose de Kémy Séba. Le courage, cette force, cette énergie, cette détermination a mis l'Afrique à faire pousser les choses. Et puis aussi, je pense que ce qu'il a dit au concernant le franc CFA, c'est belle année. Il n'y a pas quelque chose qu'il a menti sur le franc CFA. Maintenant, les actions pour amener là-bas, c'est ça qu'on cherche maintenant à faire. Kémy Séba ne peut pas tout faire. Kémy Séba ne peut pas tout faire. Il peut nous montrer les voies. Voilà les réalités de l'Afrique. Maintenant, le combat, c'est à la jeunesse et au peuple de faire le combat.
Toi, je pense que tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais voilà, mais dire qu'il ne fait pas d'action, mais c'est, il est dans l'utopie, c'est gâché. D'accord. Merci, M. Amadou Tal, pour votre intervention. Je ne sais pas si M. Jérôme a un mot à dire là-dessus. Ça risque d'être un monologue après. Moi, d'accord. OK. D'accord. Donc, on va revenir avec Mademoiselle Yapi tout à l'heure. Voilà. Si elle est là, elle peut revenir avec d'accord. Sa question. Okay. D'accord. Bon, moi, quand je parlais de manière pratique, je parlais d'action, en fait, parce que dans tout ce que vous avez dit, c'est un peu des solutions évoquées de manière, on va dire, théorique, comme j'ai dit. Quand vous dites on doit lutter contre la corruption, c'est la solution que vous avez évoquée, en fait. Mais concernant même de manière pratique, concernant les actions même à faire de manière pratique, et il ne faudrait pas, c'est de ça moi je voulais parler, il ne faudrait pas tout le temps mettre tout sur l'élite, c'est-à-dire mettre tout sur les dirigeants, mettre tout sur ceux-là même qu'un pouvoir de décision comme les présidents et les ministres et concernant. Moi, je pense que le peuple aussi a un peu à jouer. Quand on parle, par exemple, de corruption, il faudrait dire aux gens, il faudrait amener aux gens à aimer le travail, à aimer le travail bien fait, à ne pas se laisser à la facilité, à ne pas se laisser à la corruption, à ne pas se dire, bon, moi, j'ai un concours à passer, je vais maintenant commencer à chercher 1 million, 2 millions pour pouvoir avoir ce concours-là. Non, il faudrait que les gens vraiment se mettent au travail. Il faudrait que les gens puissent avoir des diplômes de manière vraie, de manière réelle. Il faudrait que les gens puissent aimer véritablement ce que c'est que d'avoir un diplôme ou d'avoir quelque chose de manière bien faite, sans corruption, sans coup bas derrière. Donc, ce n'est pas forcément aux élites, comme on le dit, entre guillemets, de mener des actions. C'est un peu à tout le peuple aussi. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. OK, donc, merci bien. Donc, si on veut reformuler votre question, vous posez la question à M. Jérôme Titlimi, voilà. La question de savoir quelles sont les actions concrètes qu'on doit mener. Nous parlons de corruption, nous parlons de tribalisme, mais pour lutter contre ces fléaux, bien ces phénomènes-là, quelles sont les actions concrètes que nous devons mener pour pouvoir pallier à cela? Monsieur Jérôme, je pense que c'est bien sa question. Si vous avez des éléments de réponse, nous vous écoutons. Je pense qu'après, elle a répondu à ces questions en donnant des solutions que j'avais déjà évoquées. Mais j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. OK. D'accord, monsieur. Je peux. Qui me parle, s'il vous plaît? Oui, mais Mohamed Sissoko. OK. Oui, allez-y. Mais, monsieur Mohamed Sissoko, un instant, excusez-moi un instant. J'ai vu la main levée de monsieur Mustapha Kanté. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Moi, ce que je voulais dire avant d'aller plus loin, c'est que c'est un débat. Il y aura des idées qui s'opposent, c'est clair. Voilà, donc, juste à la fin, on va passer la balle jusqu'à ce qu'au final, on puisse avoir des idées qui se réconcilient. Voilà, d'accord. Donc, on peut toujours rester dans l'idée que chacun voudrait que, en Côte d'Ivoire, on en fait, il y a le développement, quoi. Voilà, donc, on va passer à Tissoko et puis après, je vais revenir sur cette affaire de populisme. Parce que déjà, quand on parle de le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est un mouvement populiste. Karl Marx, on va dire que dans l'histoire, c'est lui qui est le plus grand populiste parce que c'est lui qui a essayé de nous montrer un peu cette classe-là et puis il a essayé d'aider les classes défavorisées. Donc, le fait de critiquer les dirigeants, c'est ce que moi je pense, de ce que je sais du populisme, c'est ce qu'on appelle le populisme. Donc, un citoyen qui essaie de critiquer le pouvoir en place, c'est lui-là qu'on appelle populiste. Donc, est-ce que dans populisme, là, vous voulez parler de populaire ou bien vous voulez dire quoi? Moi, c'est ce qui me fatigue un peu l'esprit depuis là qu'on utilise le mot. Donc, j'aimerais qu'on me clarifie un peu ça, si en tout cas c'est possible. D'accord. Je pense qu'on va revenir sur ces questions-là tout à l'heure. On va d'abord prendre suite sur Mohamed et on vient à vous. D'accord? OK, je peux. OK, allez-y, M. Sito. Bon, pour moi, d'abord, c'est de rêver. À la définition de base du panafricanisme. La définition de base du panafricanisme, c'est quoi? C'est d'abord rassembler les Africains. D'abord rassembler les Africains et maintenant mettre le plan en marche pour qu'on puisse aller au développement. Moi, je suis vraiment d'accord avec Jérôme sur tout ce qu'il a dit de l'utopie des panafricains de nos jours. Actuellement, les panafricains de nos jours, la majeure partie des panafricains de nos jours
ne sont plus du genre à inciter au travail, à inciter au délaissement de la corruption. Mais les panafricains de nos jours, aujourd'hui, se fondent sur des sujets qui ne sont pas très, très importants en ce moment. Qui ne sont même pas importants à ce moment. Aujourd'hui, Kémi Séba qui sort, qui nous parle du franc CFA. Actuellement, l'Afrique n'est pas au niveau, on n'est pas à un niveau où parler du franc CFA actuellement. Parce que d'abord, il n'y a même pas la paix entre les pays, en plus forte raison, entre les Africains. Donc, ce discours de panafricanisme ou bien ce discours de populisme, on peut dire que ce sont des discours de populisme. Parce qu'actuellement, on a un moment où c'est l'instrumentalisation de l'opinion du peuple par des partis et des personnalités politiques qui sont actuellement en pratique. C'est-à-dire, c'est même pas l'idée de base du panafricanisme. Si on veut bien regarder, le panafricanisme n'a pas été fondé en Afrique. Le panafricanisme a été fondé dans la diaspora, dans l'Orient, en Europe, ici. Et la première conférence du panafricanisme, je crois bien, a été faite en 1900. Donc, ces idées de debout levé, il faut qu'on aille à l'essentiel. Voilà, on aille à l'essentiel. Et ce que Jérôme a dit, c'est la réalité. C'est l'utopie des panafricains de nos jours. L'incitation à la division. Voilà, puisque même le discours de Kémi Séba a créé des divisions au Mali, a créé des divisions entre les Maliens eux-mêmes au niveau du franc CFA. D'abord, avant de lancer c'est-à-dire des discours pour l'Afrique ou bien pour le bien-être de l'Afrique, il faut essayer aussi de faire des calculs, il faut essayer d'étudier ce qu'on dit. Bien vrai que c'est pour le bien de l'Afrique et tout ça. Donc, allons-y à la réalité. Laissons les discours utopiques. Voilà, c'était un peu ça, moi, je voulais dire. OK, merci pour votre intervention. Je pense que M. Chris Emma qui vient intervenir, s'il est toujours en ligne, il peut poser sa question. Chris Emma Koulibaly, c'est bien ça? Si vous êtes là, pour intervenir. D'accord. Dans le cas contraire, il y a M. Abaka qui veut poser une question. OK, d'accord. Donc, on prend M. Abaka. Alors, merci de me donner la parole. Je ne veux pas être jury. Je vais essayer juste de dire ce que je pense. Je ne vais pas prendre de position, mais là, nous sommes dans un débat. Chacun a sa position. Et moi, je pense que, pour répondre un peu à M. Kanté, au frère Kanté, je pense que ici le mot populiste est utilisé dans le sens où ces personnes qui se disent panafricanistes essaient d'utiliser les sujets sensibles pour avoir plus de cotes auprès de la population qui n'est pas, comment je vais dire ça, qui n'est pas très instruite ou qui n'a pas une grande connaissance des sujets, en fait. Donc, on suppose, ceux qui classent, je prends un exemple très simple, ceux qui classent M. Kémi Séba de populiste pensent qu'il utilise des sujets sensibles comme la question économique pour avoir plus de cotes auprès de la population. Et moi, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais j'ai lu un essai très récemment qui parle du marché linguistique. C'est un marché où les mots se change, il y a un commerce linguistique au niveau politique, au niveau économique, etc. Et moi, je pense que je suis de ceux qui pensent que ces expressions-là, que ce soit le populisme ou autre, sont utilisées souvent pour essayer d'étouffer certaines bonnes choses, en fait. Je prends un exemple très simple. Je me rappelle que lorsqu'il y a eu, pour être dans notre jargon, lorsqu'il y a eu le clash entre Soro Guillaume est un peu le camp RHDP. Je me rappelle que M. Ouattara, il a traité M. Soro de marxiste. Voilà. Juste pour essayer de tout faire ce que le monsieur disait. Voilà. Donc, souvent, lorsqu'on traite les gens de populistes ou de ça, comme ci, comme ça, ce n'est pas forcément parce que ces personnes sont des mauvaises personnes, mais puisque ces expressions, on a essayé de. Le mot je connais pas en français, uclémec, on a essayé de uclémec des sens négatifs, en fait, à certaines expressions, et on prend certaines personnes qui ont souvent peut-être de bonnes idées,
mais qui sont contraires à ce que nous passons, donc pouvoir les étouffer, faire de sorte que les gens perdent d'eux. Donc, on essaie d'utiliser ces expressions-là pour étouffer un peu l'idée de ces personnes, pour étouffer les travaux que ces personnes font. C'est la même chose avec l'islam, avec le terrorisme islamique, c'est la même chose avec le populisme, tout ça, etc. Ceci étant, celui qui vient de parler de la monnaie, de la question économique, disant que le franc CFA n'est pas important pour les Africains, je vais me permettre d'intervenir là, car je fais l'économie, donc c'est un sujet qui m'intéresse. Je ne suis pas d'accord avec cette personne, parce que je pense que l'économie, c'est la clé de l'indépendance. Voilà, donc on ne peut pas monnayer son indépendance économique et attendre le développement, ce n'est pas possible. Voilà, donc quand on parle de développement, on va forcément parler de l'économie. Et lorsqu'on parle de l'économie, l'indépendance économique est quelque chose qui est primordial dans le développement de toute nation. Voilà, vous ne pouvez pas être là et c'est quelqu'un qui gère votre exportation, importation, quelqu'un qui canalise les crédits que vous prenez, parce que lorsqu'on va prendre des crédits avec les pays étrangers et qu'on vienne, c'est ces personnes-là qui nous instruisent, qui nous montrent comment on doit dépenser nos crédits. Donc, vous comprendrez avec moi que nous sommes en compétition avec ces personnes. Ces personnes ne voudront pas que nous investissions dans des alan qui vont permettre de booster notre développement, mais ils vont nous guider à investir dans des domaines qui vont toujours faire de sorte que nous soyons dépendants d'eux. Donc là, ça rentre dans le côté économique. Et en économie, il y a deux idées. Dans le développement économique, il y a deux idées, il y a deux courants économiques qui s'opposent. Il y a certains qui pensent que pour le développement, il faut que tous les secteurs commencent ensemble à se développer. Voilà. Et il y a certains qui pensent que non, il y a des secteurs qui sont les secteurs moteurs qu'on doit développer d'abord, et ces secteurs moteurs vont entraîner le développement de d'autres secteurs. Mais la plupart des économistes pensent que le développement doit être ensemble, c'est-à-dire on doit commencer tout ensemble. Donc, on ne peut pas parler de développement sans parler du volet économique, en disant que le franc CFA n'est pas important. Depuis Belgique, nous utilisons le CFA, depuis 60. Je ne me base pas forcément sur le CFA, mais je suis un économiste, donc je prends ce sujet parce que je pense que j'ai plus d'aptitude à parler sur le sujet que d'autres sujets. Voilà. Donc, on ne peut pas, depuis 1960, utiliser une monnaie qui n'alimente pas notre économie, qui ne permet pas à nos start-up, nos entrepreneurs d'avoir des crédits pour pouvoir investir, tout ça, et puis dire que cette question n'est pas importante, n'est pas primordiale. Voilà, donc moi, je pense que ça, c'est pas une idée que moi, j'encourage en tout cas. Moi, je pense que notre économie doit être indépendante. Je pense que nous avons la capacité de gérer économie. Je pense que on peut mettre le populisme, c'est pas un problème. Si mon populisme permet à mon groupe de se développer, je serai très fier d'être un populiste. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Abouaka. Je vais intervenir, s'il vous plaît. Qui parle, s'il vous plaît? Jérôme. Ok, vas-y. Ok, bon, pour répondre à Kanté, je pense que le populisme a un peu évolué dans le temps en réalité. Depuis Mars, bon, ça concernait la masse. Quand tu parles de les gilets jaunes, je pense qu'il fait référence à cette première définition-là. Or, aujourd'hui, le populisme, la définition qui est communément admise, c'est opposé un peu à une élite, au fait. Et en étant très subjectif, très, très subjectif, une analyse subjective de la situation. Et j'aimerais un peu répondre à la chose à mon frère économiste Abaka. Au fait, nous, sur cette question de la monnaie, on trouve que les gens, ils ont une analyse un peu aussi subjective de la question. Un économiste qui vient s'arrêter, il dit, vous savez pourquoi nous sommes pauvres, c'est à cause du franc CFA. Aujourd'hui, tous ceux qui défendent le franc CFA sont vus comme des vendus de l'Occident. Or, le franc CFA en lui-même n'est pas aussi mauvais que ça. Il a des aspects positifs. Nous sommes économistes, on le sait. En fait, il n'y a même pas une monnaie parfaite. Il faut toujours des réformes pour l'améliorer constamment. Mais vous verrez, certaines personnes occulter même cette partie positive du franc CFA. Dit que le franc CFA, c'est... Tellement ils ont laissé le sujet dans la main des populistes, ils ont fait une réforme que les populistes ont voulu. Ils ont fait une réforme de fond, en fait. Ils sont venus, bon, comme vous plaignez, vous dites que le franc CFA, c'est... Pourquoi c'est fabriqué en France?
Donc, ils ont changé. Et pourquoi ça s'appelle France CFA et c'est fabriqué en France? Ils ont juste changé le nom. Ils vont vous donner le nom éco. Or, si vous partez auprès des spécialistes, des ceux qui connaissent le sujet, le problème avec cette monnaie, ils ne vous parlent même pas même du nom, tout. Il y a plutôt des aspects techniques qu'ils évoquent. Or, quand tu vois le populiste, il a plutôt cette vision simple. Pourquoi notre monnaie s'appelle France CFA? Pourquoi c'est fabriqué en Turc, à Clermont-Ferrand? Bon, c'est les usines où on fabrique là-bas. Il y a même cette dame dont j'évoquais dans mon introduction qui disait, bon, si nous, on avait la possibilité d'émettre notre monnaie, on allait fabriquer assez de billets, donner à tout le monde et, bon, finir la pauvreté pour nous. Or, figurez-vous, cette dame est professeure de biologie dans une université du Mali. Bon, c'est du populisme, ça, cette vision simpliste des choses, en fait. C'est du négationnisme, être subjectif. On ne dit pas que la question n'est pas trop importante. Elle n'est pas importante. Mais il faut la prendre avec objectivité. C'est ce que nous, on conseille un peu aux gens. Et lui qui est contre toi, ne pense pas qu'il est invendu. On a tendance à prendre, surtout ces gens-là, c'est ceux qui se disent panafricains, dès que tu es opposé à lui, c'est parce que tu es invendu de l'Occident. La pensée unique, c'est chez eux. La pensée unique. Donc, c'est ce que nous, on déploie un peu. Et puis, bon, c'est pas contre, on n'est pas... Si je peux me permettre de répondre, mais je dis ce que je pense de ce qu'il a dit. Moi, je pense que je ne suis pas là pour discuter des avis de Nathalie Yang ou de Kim Seba. Moi, je suis là pour discuter de ce que moi, je pense personnellement. C'est que Nathalie Yang ou Kim Seba disent les uns comme eux. Voilà. Maintenant, le CFA, dire que le CFA n'est pas le problème, le biais CFA n'est pas un problème pour nous. Moi, personnellement, c'est qui me pose problème dans le site. Quand on parle du CFA, c'est juste, je vais dire, une figure de style. C'est-à-dire, quand on parle du CFA, on parle du moteur qui fait marcher le CFA, c'est-à-dire nos politiques monétaires. Nos politiques monétaires ne nous appartiennent pas. Pour ceux qui connaissent comment fonctionne la BCAO, ils savent que dans le conseil de l'administration de la BCAO, il y a des étrangers, des Français qui sont là, qui régissent tout ce qui se passe. Donc, lorsqu'on parle du CFA, on ne parle pas du biais CFA. Franchement, on parle de cet ensemble-là qui régit cette monnaie. Moi, je ne sais pas, de 1960 à aujourd'hui, dites-moi ce qui a changé dans l'espace du comment on appelle ça, de l'humain. Ce qui a changé, je ne vois pas. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire en disant que la question monétaire est très importante. Et je pense que M. Jérôme ne doit pas avoir peur d'être un populiste. Le populisme n'a rien de mauvais. C'est juste des termes qu'on utilise pour essayer de classer des personnes, en fait, qui ont souvent, comme je l'ai dit, des bonnes idées, qui proposent des bonnes choses souvent, mais juste parce que ça n'arrange pas ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ont plus de pouvoir. Et donc, on développe certaines expressions auxquelles on donne des sens péjoratifs et puis on essaie de les classer, de les éloigner du sort politique ou de tout ça. Donc, n'aie pas peur d'être un populiste, soit un populiste qui travaille pour un populiste ou je ne sais pas, un démocrate, ce n'est pas très important, soit quelqu'un qui travaille pour le développement de ta patrie, de ta population, c'est ce qui est important. Ok, merci bien, merci M. Abouaka pour votre intervention. Je vois toujours la main de M. Mustapha Kanté qui est levée. Je ne sais pas s'il a une autre question à poser. Non, le débat est super intéressant. Ça va, les balles. Je vous avais dit dans le départ que ça allait relever de la masterclass. J'aimerais poser une question rapidement. Ok, monsieur le président, allez-y. Ok, peut-être que ce qu'Abouaka dit n'est pas faux. Peut-être que c'est panafricanisme dont on parle actuellement. Peut-être que j'utilise les mots pour essayer de tromper la population. Donc, j'aimerais poser une question à. Au frère Serge Kofi, ces panafricanistes dont on parle actuellement, sont-ils vraiment les panafricanistes? Quelles sont les actions qu'ils mènent concrètement, comment on appelle ça, en faveur de l'Afrique? Monsieur Serge Kofi, si vous êtes là, vous pouvez répondre. Ma question allait dans ce sens-là, c'était pour savoir s'il y avait des panafricains résolus. Est-ce qu'on peut donner des exemples? D'accord. Je pense qu'il est en train de réunir son arsenal pour répondre, puisque je ne vois pas de signe de sa part. Allô, vous êtes là? Allô?
Je sais, Serge Kofi. Je pense que la question était adressée à Serge Kofi. Vous voulez répondre? Jusqu'à ce qu'il... D'accord, donc allez-y. On a besoin qu'il revienne. Ouais. Moi, personnellement, les panafricains que moi j'ai connus, plutôt je n'en connais pas. Actuellement, on n'en connaît pas, au fait. Tout ce qu'on connaissait, c'était autant des trucs, quoi. Les écrivains, les Aimé Césaire, les Oufou et autres, là. D'abord, même... Après, eux, fini, au fait. On n'a plus de panafricains. On n'en a plus. Bon, moi, je n'en connais pas. Parce que ces gens, ils se disent panafricains. Dans leurs démarches, dans leurs méthodes, on voit plutôt du populisme, de la division. C'est... Donc, moi, je n'en connais pas. Peut-être que vous pouvez me donner quelques noms, mais moi, je n'en connais pas. Je peux? D'accord. Monsieur Serge Kofi a un problème de connexion, raison pour laquelle je n'arrive pas à s'exprimer. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, Monsieur Sissoko, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît, on va vous garder sous la main et prendre rapidement la question de Christema. Ça fait un moment qu'il lève la main. On va l'interroger rapidement et revenir à vous. D'accord? Bonsoir tout le monde. D'abord, pour revenir à Jérôme, je voulais savoir, selon lui, quelle est l'attitude que doit avoir un bon panafricain? D'accord. C'est ma question. Monsieur Jérôme, voilà. OK. Un panafricain, d'abord, c'est quelqu'un qui unit, qui tisse des liens. C'est quelqu'un qui est objectif, pour moi. Qui tisse des liens, surtout. Ce mot est très important pour moi, qui tisse des liens. Or, tous ceux qui se disent panafricains, ce n'est pas le cas. Vous pouvez me donner un nom que... Je ne vous coupe pas la parole, mais vous pouvez me donner un exemple d'une personne qui respecte ces attitudes que vous donnez. Je t'entends difficilement. D'une personne. Mais selon vous, il n'existe pas de personne qui respecte ce que vous dites. Bon, généralement, quand je m'exprime comme ça, je parle de nos leaders, au fait. Toi, je sais que tu es panafricain. Il y a assez de panafricains sur ce truc qui participent à notre échange. Mais on ne t'entend pas. Jusqu'à preuve du contraire, bon, on parle de ceux qu'on entend, qui sont dans les trucs, au fait. Bon, en fait, pour revenir à faire tout à l'heure, par rapport à la question de Mme Yapi, vous avez parlé de corruption, de mettre les moyens. Bon, je vais revenir rapidement là-dessus. Cette histoire de corruption, ce n'est pas l'État, en fait. C'est au citoyen lui-même de comprendre que lorsqu'il passe par les bonnes voies, il fait du bien à son pays, en fait. Voilà. Et sur un deuxième point, j'aimerais dire, quand vous parlez des personnes qui parlent mal des présidents, je formule ça comme ça, mais en fait, vous savez, dans tout un pays, il y a toujours ceux qui s'opposent. Même en France, ça se passe partout. Mais chacun, ce que nous, en Afrique, on a une manière qui est un peu, je veux dire, très désagréable de le faire, en fait. Voilà. Le fait de dire que telle personne... sa manière de gouverner n'est pas bonne. Il ne veut pas dire qu'en fait, la personne est contre son pays, en quelque sorte, en fait. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous attendez beaucoup là-dessus. Voilà, dans tout pays, il y a tous les opposants, il y a tous les personnes qui sont là pour mettre les bâtons dans la roue de ceux qui sont au pouvoir. Ils sont là pour dire les vérités de ceux qui sont au pouvoir, en fait. S'il n'y a pas ça, je ne pense pas qu'un pays puisse aller loin, en fait. J'espère qu'on se comprend, en fait. Ah, merci mon frère, je te comprends très bien. Nous-mêmes, nous sommes avec cette démarche, nous voulons une opposition très forte. Pour que quand on veut une opposition très forte, on accepte que l'autre nous dise la vérité, en fait. Ok, allez-y. Okay. Une opposition très forte pour que ceux qui soient au pouvoir se sentent surveillés et soient un peu, je dirais... gouverne bien. Maintenant, parlant des plateformes où ces Africains vont insulter, là, ils ne vont pas dans... Ils ne disent pas que... C'est pas... Bon, par exemple, l'intervention du président français, par exemple, au Rwanda, il disait ceux qui ont sémé la terreur dans les collines et autres, ils n'avaient pas le visage français. Mais on passe tout notre temps à les accuser de notre malheur. En réalité, nous, on dit plutôt que le problème vient de nous. C'est ce que j'essaie de faire comprendre depuis le début. Que le problème vient de nous en réalité. Pas pour dire on doit faire taire toute opposition. Nous-mêmes, on encourage l'opposition. C'est une opposition forte. Mais qu'elle soit objective, très objective.
faudrait pas là pour faut pas critiquer pour critiquer, faut pas être dans la désinformation, faut pas être simpliste, faut pas être, je sais pas, incohérent en fait. Oh, c'est des procédés qui sont propres aux populistes. Je sais pas si on se comprend. On se comprend, mais en fait, je voudrais vous dire aussi que il y a des personnes, parmi ces gens, les personnes que vous dites, qui disent n'importe quoi, etc., il y a des personnes aussi qui disent la vérité. Et quand ils disent, ils sont souvent emprisonnés, souvent, ce qui fait que d'autres ont peur de vouloir dire la vérité, en fait. Donc, quand vous me dites non, que vous voulez une opposition forte, on ne peut pas demander une opposition forte en voulant emprisonner l'autre, en fait. Parce que nous sommes un pays démocrate. On donne la liberté à l'autre de s'exprimer, en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux. Il y a M. Serge Kofi qui vient. M. Sissoko, s'il vous plaît. M. Serge Kofi. On va laisser M. Serge Kofi arriver. Parce qu'il y a longtemps qu'il ne va pas aller là-bas. Voilà, ouais, il va intervenir rapidement et on va revenir à M. Sissoko. Avec un souci de connexion, donc je ne sais pas la question qui a été posée, je ne sais pas. Ok, donc M. Chris Emma, vous pouvez reprendre votre question. Il y a M. Serge Kofi qui est là. Non, Chris Emma, sa question n'était pas à Serge Kofi, c'était à Jérôme, je pense. Et Jérôme a répondu. Est-ce que je suis le seul dans les papiers? Je pense que Jérôme est intervenu parce que Serge Kofi n'était pas là. Donc, je pense qu'il peut reposer sa question. Voilà. Donc, tu peux reposer sa question maintenant que Serge Kofi est là. Monsieur Serge Kofi, je voulais savoir, en fait, comme je disais, les attitudes que doit avoir un bon panafricain, en fait. Ça, c'était ma question. OK. Bon, nous concernant, nous pensons, en fait, que le bon panafricain, c'est celui-là qui doit avoir d'abord des convictions et relativement à l'avenir, en fait, du continent. Parce que le bon panafricain, en fait, ce n'est pas celui-là qui pense seulement que son pays, mais au-delà de son pays, il doit réaliser qu'il y a d'autres défis beaucoup plus importants. Et ces défis-là se mesurent à l'aune, je dirais, du continent. Et le bon panafricain, il doit, en plus, c'est-à-dire au-delà, en fait, des discours éveilleurs de conscience, il doit entreprendre des actions dans le sens, en fait, de voir les lignes bouger, dans le sens de voir le continent qu'il aime, qu'il chérit et qu'il veut voir être respecté par l'autre, avoir les moyens de pouvoir parler d'égal à égal avec les autres. Quand j'ai dit les autres continents, les autres pays. C'est ça le vrai panafricain. Et le panafricain, ce panafricain ou panafricanisme, du moins, je pense que c'est celui-là qui est aujourd'hui prôné parce que nous avons appelé le panafricanisme des peuples. Parce que il y a des personnes qui croient en cette Afrique dynamique, en cette Afrique capable de se développer, capable de se mobiliser, de se fédérer et pouvoir changer le cours de l'histoire. Parce que jusque-là, l'histoire qu'on nous a toujours contée, qu'on nous a toujours présentée, cette histoire-là a toujours eu comme centre d'impulsion l'Europe ou l'Occident de façon globale. Or, nous savons que les choses n'ont pas été considérées comme n'avoir rien apporté à la civilisation. À l'universalisme, à la civilisation mondiale, l'Afrique et d'autres, et certains politiciens occidentaux n'ont pas manqué de dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'est comme si l'Afrique n'avait rien apporté. Et c'est, en fait, cette histoire falsifiée, en fait, que nous voulons, le panafricanisme veut réviser. Et dans cette posture révisionniste, ce panafricanisme ne dit pas qu'il faut s'asseoir et il faut dénoncer, il faut travailler, il faut s'approprier, les nouveaux mécanismes que notre époque nous donne pour pouvoir servir la cause, en fait, du combat que nous sommes en train de mener.
parce qu'à terme, c'est le développement de l'Afrique que le panafricanisme est en train de poursuivre. Et le développement de ce continent passe par le travail, passe par l'innovation, passe par des actions ambitieuses et prometteuses, passe par des actions constructives. Et c'est dans ce rapport et c'est dans cette logique-là que le panafricanisme que nous sommes en train de défendre est. Et ce panafricanisme n'a pas changé de rôle, encore moins de posture par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Merci. Excusez-moi. Okay. Je voulais lui demander, on a compris ce qu'il a dit, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple de leader actuellement, selon lui, qui est un mot panafricain? Et d'accord. Aussi les actions posées par cette personne-là. Ouais. Exactement. D'accord. Actuellement, les leaders panafricanistes, parce que d'abord, moi, je préfère qu'on soit clair dès le départ sur... Le panafricanisme, ce n'est pas, nous l'avons dit, ce n'est pas concevoir cela sous l'angle idéologique. Monsieur Serge, voilà, merci. Voilà. Vous pouvez continuer. Vous me reçoit? Oui, ça va, vous pouvez continuer. Donc, je disais en fait que le panafricanisme, ce n'est pas celui-là seulement qu'on voit toujours sur les plateaux de télévision ou, je dirais, dans les stations de radio. On peut être panafricaniste et être investi dans un secteur d'activité économique. Mais penser ses actions, pas seulement que dans son pays, mais à l'échelle du continent. Et sous ce rapport, on peut citer par exemple Aliko Dangote. C'est vrai, vous n'allez jamais le voir en train de fanfaronner, en train de crier « non, je suis panafricaniste ». Mais les actions qu'il pose vont dans ce sens. Et à côté d'Aliko Dangote, dans le domaine du sport, dans le domaine culturel, on a bon nombre de personnes qu'on pourrait citer parce que ne nous limitons pas à Kémi Séba. Et quand j'entends certaines personnes stigmatiser Kémi Séba, je suis désolé parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas qu'il est en train d'endormir les consciences, mais il est en train d'amener les Africains à être dans une logique, dans une posture en fait décomplexée. Des Européens croient qu'ils ont une histoire, croient qu'ils ont rapporté à l'humanité, croient qu'ils peuvent compter et développer le continent, croient qu'ils n'ont pas besoin d'aller en Europe pour trouver l'Eldorado. Allô? Serge Kofi. Allô? On ne l'entend plus. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Ah, d'accord. Malheureusement, je pense qu'il a eu un souci avec sa connexion. Il a dû se déconnecter. Le temps prévu pour ce débat. Vous êtes là? Vous êtes de retour? Oui, je suis là. Donc, c'est globalement ça. Okay. D'accord. Allez-y. Voilà. Donc, le panafricanisme que nous avons, il est productif. Voilà. Il est éveilleur de conscience et il est valorisant. Voilà. Ce n'est pas un panafricanisme qui invite à dormir sous ses lauriers. Loin de là. Jamais le panafricanisme, dans sa version actuelle, telle que prônée par les peuples, par les leaders d'opinion par les activistes que nous connaissons, n'engage dans ce sens. Et le but ultime aussi de ce panafricanisme, ce n'est pas de conquérir le pouvoir. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais c'est d'amener les Africains à s'unir autour d'un idéal commun. Ce qui n'est pas le cas du populisme. Tout leader populiste ou tout populiste vise à terme la conquête du pouvoir, l'exercice, la conquête, non seulement la conquête du pouvoir d'État, mais l'exercice voire même sa dévolution. Et ce n'est pas ses ambitions ou ses projets sont très loin du projet panafricain. Donc, c'est cet élément-là que j'ai voulu partager avec le frère qui a posé la question. Merci. OK. Merci beaucoup, M. Serge Kofi. Le temps prévu pour le débat est malheureusement écoulé. Je vais demander, avec la permission du président et de tout le monde, si on pourrait avoir quelques minutes supplémentaires pour que certaines personnes puissent poser la question. Monsieur le Président.
Est-ce qu'on peut avoir quelques minutes supplémentaires? Je pense qu'on peut ajouter 10 minutes si ça ne gêne pas. 10 minutes, d'accord, le temps de poser les questions et faire une synthèse rapidement. D'accord, ok. Monsieur Adama Ima, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais poser une question en deux temps. Tout d'abord, c'est de savoir, un Africain qui n'est pas panafricaniste, il est quoi? Quelqu'un qui s'oppose, je reformule ma question, qui s'oppose au panafricanisme, qu'est-ce qu'il est? Ok, je pense que c'est une question adressée à M. Jérôme Dimliti. Voilà. Donc, il va se faire fort de répondre s'il est là. Malheureusement, je pense qu'il a un problème de connexion et qu'il n'est pas disponible actuellement pour répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux vous répondre? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui. Je vais vous répondre à la question. Ah, ok. Donc, concernant cette question, je tiens à dire au frère, en fait, que le panafricanisme, en fait, c'est... Voilà, on peut adhérer comme ne pas adhérer, en fait, au panafricanisme. Le panafricanisme fait la promotion de certaines valeurs et ces valeurs-là sont centrées en fait sur les intérêts du continent. C'est un combat, voilà, c'est un combat qui est mené au nom du continent, au nom de la cause du continent. Et comme tout combat et comme tout défi, on est libre de l'épouser comme de ne pas l'épouser. Et si on n'est pas panafricain, ben, il n'y a pas de gêne en cela. Et pourvu que nous ayons le courage d'être patriotes. Parce que là, au moins... Allô? Monsieur Serge, comment vous êtes là? Malheureusement, je pense qu'il y a un léger problème de connexion. J'espère qu'il y a... Je pense que celui qui a posé la question voulait savoir tout simplement si, si on n'est pas panafricain, est-ce que ça veut dire qu'on est populiste? On est populiste, justement, je pense que c'est... sa question. Mais bon, il est temps de répondre et malheureusement, je pense que sa connexion s'est coupée. Allez, je peux? Monsieur Jérôme, vous êtes de retour? Oui. J'ai connu ce petit problème-là. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez entendu la dernière question? Non. Il y a M. Adama Ima qui demandait, si on n'est pas panafricaniste, qu'est-ce qu'on est au juste? Si on s'oppose au panafricanisme, qu'est-ce que ça fait de nous en tant qu'Africains? Je ne pense pas qu'une personne s'oppose au panafricanisme. Le problème est que ceux qui sont populistes disent qu'ils sont panafricains en réalité. Donc tout le monde veut être panafricain. C'est une bonne chose en soi, en fait, d'être panafricain. Mais dans le fond, ils ne sont pas panafricains. C'est ça le problème. On ne peut pas être contre le panafricanisme parce que c'est quelque chose en soi qui est c'est une bonne chose. Mais ceux qui se réclament d'être panafricains, en réalité, ce n'est pas des panafricains. C'est ce que nous, on déploie un peu. Quand le frère intervenait avant mon interruption, chose, il parlait de Dangote. C'est quelqu'un que je suis beaucoup, qui disait même souvent qu'il est plus difficile pour lui de voyager dans un pays africain que d'aller en Europe. Dit que, bon, ça marche vraiment, bon, je ne pense pas vraiment que ça soit le cas. Donc, ce que moi, je voulais ajouter, ou plutôt dire, c'est que ceux qui se disent panafricains, qui maîtrisent d'abord même l'essence même de ou bien la mission qui leur a assigné d'abord, qui pose le problème réel. Parce qu'en réalité, ils font plus de dégâts à l'Afrique que du bien. Ils sont dans l'utopie totale. Ils détruisent même nos valeurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Adama Ima, une question. Bon, Monsieur le Président, je passe sous votre contrôle. Je pense qu'on va prendre une dernière question et on va terminer pour aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Pas de souci, à mon niveau. Donc, M. Moustapha Kanté, pour terminer.
la première question. Merci. Déjà, je pense que comme la tata de la France a dit, Fatou Diom, il faut rompre avec les ressentiments. Voilà, on a été colonisés, les gens sont venus piller nos ressources, tout ça, tout ça. Il faut rompre avec ça, sinon ça sera un truc qui va nous empêcher de renforcer nos liens avec les gens du Nord. Deuxième chose, c'est que quand on parle du développement durable, dans les clauses du développement durable, on dit que les pays du Nord doivent aider les pays du Sud à se développer. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que, même dans l'esprit du panafricanisme, on sera amené à renforcer des alliances avec les gens du Nord, à nous de savoir tisser de bonnes relations. Sur ce, je ne sais pas il est quelle heure chez vous là-bas. Bonne fin de journée. Merci encore. Merci, il est presque 18h ici. OK. Donc, on va terminer maintenant avec M. Ima. Très rapidement, en une minute, intervenez et puis nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Monsieur Adama Ima, si vous êtes là, vous pouvez intervenir. Oui, oui. Moi, je voulais dire que je soutiens M. Jérôme dans son intervention parce que, en fait, j'ai posé la question de savoir quelqu'un qui n'est pas panafricaniste, il est quoi, pour montrer qu'en vrai, nous tous, on aspire au développement de l'Afrique. Mais lorsque quelqu'un s'élève et qui vient, il dit non, on doit changer le franc CFA. OK, nous tous, on sait qu'on doit changer le franc CFA, mais comment on le fait? Lorsqu'il vient, il présente à des personnes qui ont encore faim, lorsqu'il leur présente des sujets comme le franc CFA, les sujets qui nous dépassent, qui dépassent beaucoup d'entre nous, je trouve que c'est utopique, au fait. Donc, c'était ce que je voulais dire à la fin. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vois M. Eli Parfait qui a levé la main. On va le prendre et puis on va terminer cette fois. Le dernier intervenant, M. Eli Parfait, vous avez la parole. OK. Vraiment, je présente toutes les excuses de venir à la toute dernière minute. Je suis un peu occupé, c'est pourquoi. Bon, c'est pas une question, moi c'est une suggestion que j'aimerais faire, c'est pas peut-être c'est prévu par le modérateur. J'aimerais que, en fait, à la fin du débat, que chaque participant ou bien les différents débattants essaient de donner des petites conclusions, quoi. À la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir et puis quel est leur conseil pour nous? J'ai l'habitude de dire qu'actuellement, nous, il est bien pour nous, on critique actuellement les différents, peut-être, les différents politiques, les hommes politiques actuellement, les leaders. Mais nous sommes les futurs, en fait, les futurs hommes politiques, les personnes qui agiront demain aussi, peut-être, sur la Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. Donc, si maintenant, on n'a pas aussi peut-être des idées ou bien des conseils à viser, on risque, en fait, de répandre les mêmes erreurs, en fait, que ceux qui sont faits actuellement. Donc, j'aimerais savoir, pour les différents débats, qu'est-ce que... en Afrique, qu'est-ce que nous devons retenir de ce débat? Voilà, sur le thème qui a été donné. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. On allait en venir après votre intervention, mais puisque vous avez déjà posé la question, on va laisser la parole aux deux intervenants de faire rapidement leur conclusion en 2 minutes chacun. Et je pense qu'à partir de là, on va terminer la section d'aujourd'hui. Donc, M. Serge Kofi, vous avez votre conclusion à faire en 2 minutes. M. Jérôme fera pareil. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme j'ai dit. Donc, M. Serge Kofi, vous avez la parole, 2 minutes chrono, pour votre conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir en tant que future élite de demain, si je dois le dire ainsi? Vous êtes là? Ah, malheureusement, je pense qu'il y a encore un problème de connexion. M. Jérôme Timiliti, si vous êtes là, vous pouvez passer à votre conclusion rapidement en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on doit retenir avec vous? Pour moi, comme conclusion, je peux dire que le panafricanisme en lui-même est une bonne chose. On doit l'encourager, mais ce que nous on déploie, c'est qu'il est plutôt orienté vers l'extérieur. Donc, il faut l'orienter vers l'intérieur. En interne, il y a des problèmes internes d'abord. Il ne faut pas être dans l'utopie. Il faut encourager le travail, lutter contre la tricherie et la corruption. De là va naître un Africain qui n'est pas complexé en réalité. Quand un Africain, cet Africain, quand il ira en chose en Europe, ce n'est pas pour aller dormir sous le pont, c'est pour aller dépenser aussi son argent qu'il a gagné en Turc, en Afrique. Quand tu vois, tu dors sous le pont, c'est là, on ne te respecte pas, il y a du mépris, c'est là, tu as l'impression qu'ils sont racistes en réalité. C'est parce que tu ne comptes pas. Donc, pour compter, il faut d'abord il faut créer de la valeur chez toi, être un peu plus ordonné. Et là, bon, tu pourras prétendre à avoir de l'estime
de la part de certaines personnes. Et je voulais terminer en remerciant d'abord tous les participants et surtout Serge Koffi. Généralement, les jurys, ils s'expriment très bien. J'avais peur de ne pas trop le comprendre. Donc, bon, il a été très courtois et plus gentil. Et merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir passé des rencontres aussi comme ça. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Jérôme Dimitri. Jusque-là, M. Serge Koffi n'est pas encore revenu. Donc, je pense que sur ce, avant de terminer, je vais peut-être passer la parole au président pour qu'il puisse nous dire quelques mots avant que nous terminions pour aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Aymar. Merci aux intervenants, merci aux participants. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire parce que déjà, nous avons déjà épuisé le temps qui était défini. En tout cas, ça a été un débat instructif. Moi, j'ai beaucoup appris aussi, que ce soit du côté du populisme ou que ce soit du panafricanisme. Et j'espère que les autres participants aussi ont beaucoup appris. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre séance les semaines à venir. Merci et bonne soirée à vous. D'accord. OK, merci, Monsieur le Président. Est-ce que tout le monde peut activer sa caméra pour qu'on fasse une photo de famille rapide? Est-ce que c'est possible de le faire? Monsieur le Président, avec votre permission, est-ce que c'est possible de le faire? Que tout le monde active sa caméra, si c'est possible. On fera rapidement une photo de famille pour ce débat. Et avec ça, on va terminer. Comment on fait? Hi. Ah ouais, c'est là. D'accord. Ouais, je pense que le maximum de personnes a activé sa caméra. Donc, Monsieur le Président, vous pouvez faire la photo de famille. Allez, Aboubaka, c'est bon, tu n'as pas parlé beaucoup aujourd'hui. C'est bon, Monsieur le Président, vous avez pu terminer. Vous avez pu faire la... Je t'ai un peu occupé là. OK. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à tout le monde. Merci aux intervenants. Merci aux participants. Je rappelle que c'était la première occasion, le premier débat de ce type. Il y en aura plusieurs les semaines à venir. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient bien participer à ces séances de débat-là, ces personnes-là doivent s'inscrire peut-être auprès du président ou auprès du secrétaire général. Et les thèmes qui seront développés chaque semaine vous seront remis quelques jours avant. Vous aurez le temps de les préparer et d'intervenir sur cette plateforme-là. Donc, sur ce, merci et comme on le dit, ciao, ciao. Bonsoir chez vous. Oh, t'envoies un douceur.